Finalement, les adhérentes ne se sont pas autant déterminées que dans une primaire ouverte pour celui qui était le mieux placé, qui était clairement Xavier Bertrand dans les sondages. Justement, c'est une surprise, ça. Les adhérents LR, en effet, n'ont pas retenu Xavier Bertrand, qui, dans vos enquêtes comme dans toutes les autres, à ce jour, semblait celui qui était le plus capable de se hisser au second tour parmi les postulants. C'est une demi-surprise. Demi-surprise parce qu'on sait qu'un vote d'adhérence, c'est un peu différent d'un vote de primaire ouverte. Il y a une confirmation, d'un certain point de vue dans ce résultat, c'est que, comme toujours, les adhérents d'un parti politique sont plus radicaux que leurs électeurs. Et donc, ils sont plus à droite pour les adhérents des Républicains que leurs électeurs, probablement, en partie. Mais c'est vrai, on l'avait vu dans les primaires socialistes, on l'a vu chez les écologistes il y a encore peu de temps. Et ça, c'est toujours une constante. Donc, c'est une demi-surprise, dans la mesure où c'est vrai qu'un adhérent, il veut aussi gagner la présidentielle. Mais là, probablement que Xavier Bertrand n'était pas assez en avance par rapport aux autres pour vraiment bénéficier de cela.